Et présence mon dans Wanamet jodi a c'est premièrement pour que me porter une solidarité physique à ensemble à Jean Bissap qui me relè les héros de la République. Non seulement pour que me supporter au de loin de Port-au-Prince étant même te vle vini pour me dire yo et passer yo solidarité ça. Pour me dire, un, ça y a fait là, l'histoire prend note. Parce que je dis, nous avons une bataille historique. Côté que l'État haïtien qui était doué dans sa fonction première, qui s'est protégé et servir sa population, les PAFEL. Et je dis, BESAP montre que c'est lui-même qui l'État dans la construction du canal de la dignité, que nous relais le canal de la dignité. Mais ça montre que si on l'État dans le pays, je dis, c'est lui-même. Parce que c'est lui qui défend la souveraineté nationale. Parce que nous avons gardé pour nous, nous avons gardé là, moi, M. Dominique, qui m'a enragé. Et si M. BESAP n'a pas de campé là, de manière déterminée, yo te ka fè n'importe qui bagay. Donc, ce premier objectif, visite moi dans Wanamet, jodi a, c'était pour me porter solidarité m'bay. Pour me dire que, je m'ap défend nan Port-au-Prince, les 5 agents qui assassiné lâchement sous l'ordre gouvernement qui l'a Ariel Henry, que m'ap défend yo du bec et des ongles. Et, ça qui nan prison yo, n'a fait tout ça n'capable pour nous libérer yo. Mais pour nous dire que route yo prend jodi a c'est bon route là. Attitude yo gagne jodi a pour yo défendre pays a comme l'armée indigène nan te fait pas avec l'état reste avec ça non mais avec l'armée indigène nan j'ai été fait avec le grand Jean-Jacques Dessalines. Donc ça y a fait là c'est bon yo nan bon route là yo nan bon bord. M'te vini aussi pour m'te dire yo que bataille pour nous reprendre souveraineté pour nous reprendre dignité dans bataille la pape campé. Même Jean peuple a dit bataille la et canal la pape campé, nous vini pour nous dire bataille pour souveraineté nous les pape campé dans route. Yo ka fait intimidation, yo ka assassiner un peu dans nous. Yo te fait ça déjà. Mais ça pas empêché que trajectoire à côté pour nous arriver à n'a privé là. Moi vini aussi pour me voyer un signal clair. Pour nous dire l'État haïtien. Donc, comment nous sentons aujourd'hui? Donc, lorsque nous prenons les agents de BESAP, je dis que nous devons honorer chaque agent BESAP qui, je dis, a campé devant l'armée dominicaine. Parce que, par contre, si nous comprenons, lorsque nous parlons de canal, nous devons prendre le canal là de manière simple. Mais écoutez, ce canal, c'est un symbole. Ce symbole de la souveraineté nationale, de la production nationale. Symbole vente nous, symbole indépendance nous. Donc là nous dit nous indépendants. Si vente ou sous compte la République dominicaine, pas ouais comment pour dire indépendant. Donc moi t'ai venu pour me dire yo. Non seulement n'a goumé pour yo dans Port-au-Prince, même t'ai venu boy ici là pour me dire que goumé en pral changer de l'autre phase. Et que un pour me dire yo, écoutez, un soldat tombé n'oubliez cela. Pas qu'à craser on l'armée. Deux soldats à tomber, li pas qu'à craser yon l'armée, li pas qu'à craser une conviction. Pour me dire yo, pour me donner un signal clair, bay parents yo, bay famille yo, pour nous dire ça, BESAP pas fait jodi an dans pays ya, d'ailleurs, li clair. BESAP la, li clair. Nan demande yo. Yo vle gen sécurité dans pays ya. Et ceci, nous gon gouvernement qui l'a depuis 3 ans, qui symbolisait l'insécurité, l'injustice, l'indignité nationale. Eh bien, BESAP là, il voulait dire la sécurité nationale, le retour à la sécurité nationale. Qui donc, moi là, pour non seulement moi faire solidarité avec eux, mais solidarité à tout le monde qui te mette meilleur pour la construction de ce canal. Pour nous dire, nous sommes bonne voie, nous sommes bon route, nous sommes bon bord. Et pour me faire un appel à l'autre solidarité, non l'autre niveau. Ça, c'est pas seulement canal là pour nous construire. Faut nous construire
le canal de la sécurité nationale. Et nous pas qu'à construire canal sécurité nationale avec M. Ariel Henry, avec Acolyte Léo, qui symbolisait l'insécurité. Et d'ailleurs, si agent Bessapio assassiné, gardez bien pour nous. Le mercredi 7 février, il a assassiné agent Bessapio pour qui ça? Parce que il voulait sécuriser manifestation 7 février. Alors que, ou après que dans tout pays qui sait que ni en haut ni en bas avec mon king exam, ça pas dit l'État en yé. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Madame Prophète, comme elle est là, il n'y a pas de problème avec mon king exam nommé cap théoriser population. Il dit, si il y a un problème, c'est avec Bessap que il y a un problème. Pour qui ça? Parce que agent Bessapio pas prend l'ordre nommé. Donc, et c'est ça qui fait y a des problèmes avec elle, parce que agent Bessapio, là où te dit aussi, pour n'oublier, même me rappeler tout ça, là où sorti première note, là, la première note du ministère de l'Environnement, qui dit canal là illégal, monsieur Bessapio, pas obtempéré, y a sorti une lettre formelle, y a demandé à DG Jotel Joseph pour le retirer agent yo, y a dit, agent Bessapio dit négatif. Écoutez, dernier objectif, moi là, c'est pour me dire pays, là. Nous avons une tribu de reconnaissance à l'égard de ces messieurs. Et à l'égard de la famille et à l'égard de la petite. Donc je dis à ce sont des gens qui exposés à ça que nous sommes capables de briller l'État irresponsable. Mais nous, la société haïtienne, ni génération qui l'a connu là, et toute la génération qui vient pour venir, nous avons une tribu de reconnaissance à l'égard de ces héros, de ces vaillants héros. Qui montre yo digne comme petit Haïti, qui montre que c'est des véritables fils et filles de Jean-Jacques Dessalines et de tous ces l'ouverture. Donc moi t'ai venu pour me dire ça en face et pour me dire nous pas peur et nous pas cap peur. Nous pas cap peur ti m'a dit grassal, que ti m'a dit grassal ta gen Ariel Henry dans tête li. Quel ta gen ministre et justice dans tête li. Quel ta gen ministre environnement là-dedans. Quel ta gen directeur général la police là qui fait le complice de sacrivé mercredi 7 février pour nous dire nous pas peur. Et pas aucun petit madi grassal qui a fait nous peur. Voilà en gros le message qui fait nous venir bon ici là. Si vous avez d'autres questions, mettez Fofo disponible pour nous. Écoutez, l'arrestation de camarades en quelque sorte arabes, faut nous mettre les dans le contexte. Et c'est dans le contexte de persécution que le gouvernement l'a fait. Regardez pour oui. Ou après qui diligence que vous fait. Cette même police qui révélait pendant 3 ans inefficace, pas de matériel, pas de unité, pas de suffisamment unité. Même police a, de coup, quand il est question pour faire la chasse à Bessap, quand il est question pour bloquer Bessap, cette même police nationale, l'efficace, quand il y a matériel, quand il y a unité suffisante. Comprenez bien. Donc, et regardez, lorsque pour transférer. Et le citoyen, ce héros de la République, des cailles du sud à l'ouest, regardez comment, ouais, yo gata joué une unité, yo joué un moyen pour faire. Mais pendant qu'il a fait ça, regardez bien pour nous, ouais, oui. Et maintenant, nous ouvrons les genoux pour nous comprendre ce qui a passé là. Ouvrons les genoux pour nous comprendre ce qui a passé là. Pendant qu'il a vini sous la mer, moi, deux, l'autre chaloupe, n'est qui que ça, non, mais ou, zone Marianne, ça va dire l'état, non? Nous ne pas poser question en tant que société. Ça ne va pas dire rien. Alors que, je dis, il y a un problème avec Zambé Sapla. Pourquoi ça y a un problème avec Zambé Sapla? Parce que Zambé Sapla, il voulait sécuriser la population. Alors que y a un problème. Il n'y a pas de problème avec Zam qui a kidnappé la population, qui a assassiné la population, qui a tué la population, qui a torturé la population. Il n'y a pas de problème avec Zam ça. Mais il y a un problème avec Zam qui a décidé pour sécuriser la manifestation, pour sécuriser la population. Qui donc, nous dit gouvernement, et moi parler avec le commissaire gouvernement, qui d'ailleurs est un ami. Je lui ai dit, sur le plan légal, ça a été comme accusation contre. Et Arabla, ça ou pas kembe. Premièrement, yo pose la problématique ou l'infraction complot. Écoutez, lorsque dit complot, tout le monde qui l'a même lorsque pas avocat, complot veut dire c'est un bagay ou a fait en cachette. Est-ce que c'est pas ça? Complot veut dire un bagay ou a fait en cachette. Écoutez, le projet d'aujourd'hui, il n'y a pas un complot parce que tout le monde dit, donc tout le monde connaît. Nous voulons
retirer Ariel qui symbolisait l'insécurité, qui symbolisait la honte nationale. Donc tout pays a d'accord avec ça. Donc l'autre dit que c'est complot, pas qu'il complot parce que tout le monde connaît le projet. Deuxièmement, yo parlé de la sûreté. Écoutez, la sûreté veut dire qui ça? Donc l'état que nous là aujourd'hui, c'est l'état qui nous courir. Donc pour nous même qui pas connaît Port-au-Prince, pas m'expliquer nous bien. Donc aujourd'hui, on a un Port-au-Prince qui ceinturé. Donc de Matissan, OK, de Canaran, de Pernier, OK, de partout et de quoi des bouquets. Donc l'état nan miti morceau reste l'état ou était li nan mitan. Donc là on parler de sûreté, on parle de ça qui a parlé de sûreté. Donc il n'y a pas gagné de sûreté. Et le dernier élément, c'est la question de l'état. Donc là pas les complots contre la sûreté de l'état. Donc l'état pas gagné l'état. Même lorsqu'on t'apprend l'état dans le sens de Montesquieu par exemple. La parler de l'État en termes de trois pouvoirs, exécutif, judiciaire et législatif. Nous pas gain exécutif, nous pas gain judiciaire. Ça nous relé législatif là, en quelque judiciaire là, en quelque sorte, son bagaille qui clopant. D'ailleurs, s'il te existe aujourd'hui là, yo t'a supposé prendre des dispositions pour yo t'a mettre Ariel côté pour yo t'a droit mettre le. Pourquoi? Yo forgé deux accords pour monsieur Ariel et le tout dernier l'accord du 21 décembre que l'y forgé de toutes pièces avec l'ambassade de France comme complice de cet accord. L'y dit dans l'article 20 de cet accord que le 7 février accord ça caduque, l'y fini. Et à partir de 7 février, l'y pas gagné ni droit, ni qualité, ni titre, ni attribution. Donc là, on dit, camarades et bab. Donc, je dis, il y a dit arrêter pour complot contre la sûreté de l'État. C'est une plaisanterie. Et cette plaisanterie, nous-mêmes en tant que journalistes, faut faire très attention pour ne pas même répéter bêtises comme ça. Donc, si vous avez une dernière question, moi prêt voilà. Pour moi. Il y a une question à double volet. Le premier volet, c'est que, étant que avocat BISAP, et cap défend et BISAP, agent BISAP qui mourir, qui garantit que capable et quoi et particulièrement famille 5 agents ça que il y a besoin de mon justice dans circonstances qu'il y a là et puis ce gros volet c'est que on t'a parlé là on dit que ou à bataille pour libérer et agent de ça qui en prison yo est-ce que puisque il y a plusieurs informations qu'a fait comprendre que il était exécuté aussi qui garantit que et qui ça on dit nous pas dit pays que agent de ça yo toujours et en prison. Merci pour répondre une question là premièrement il pas besoin d'outil morceau justice. Yo doit joindre justice de manière conforme. Pour ne pas dire correctement. Écoutez, là où il y a face ou mettre Evel Fanfan. Je pas j'en marchandé. Ça m'était capable de démarche moi yo quand il est question pour nous bail moun qui devienne justice, justice. Donc oui, il y a besoin de justice. Mais m'a dit nous bagay. Il y a besoin de justice. Parce que moi-même, moi déterminé, et m'te dit dans la conférence de presse que nous te bail avec OPC fois dernière là, nous te dit, il y a besoin de justice que l'État haïtien vlel, qu'elle pas vlel, il y a besoin de justice. Et tout le monde qui participait, tout le monde qui contribuait, tout le monde qui planifiait, tout le monde qui exécutait crime ça, il y a identifié yo, il y a arrêté yo et y a prêté en prison même lorsque monsieur Ariel Tabayo toutes les garanties du monde. Donc ça c'est premier bagage pour me dire. Mais nous pas qu'à faire sans nous-mêmes qui la presse. Nous pas qu'à faire sans courage population parce que moi vrai population accompagner nous. Pour que nous fait très attention avec marchandage parce que je dis a une campagne d'intimidation qui lancé contre ma personne mais je m'habitue avec ça, on pas peur. Et me dit ça de dernièrement m'te écrit sous page moi dit moi mouri déjà m'ai pas fait senti. Donc ça c'est premier pour me prendre première partie question là. Deuxième question. Pour camarade yo m'a clair avec vous. Alors grand pile monde qui pas bien comprendre ça arrivé. Gagné 14 ce mercredi 7 février t'ai gagné 14 agents BESAP qui t'est sorti Thomas Cap descendre. Contrairement à monde qui a parlé de 8, c'était 14. Dans 14 là, monsieur yo prend 4 là dedans yo. Que les yo prend parce que faut comprendre bail yo fait un guet-apens ça ils ont embuscade un guet-apens son guet-apens ça veut dire que yo tant un guet-apens pour quel que soit l'armée du monde et formation ou pas
j'ont été efficace ou pas de leur pour nous guet apens, c'est guet apens. Et m'a expliquer pour ça son guet apens. N'y a eu 5 machines avec eux. Y a eu 2 machines de la police. Yo te gen yon ambulance, yo te gen yon Cherokee avec yo, yo gen yon pick-up ki avec yo. M'pa bay identification yo la, kouna, mais nous gen toutes les informations ki la. Et les messieurs arrivé sou yo, parce que yo même, a Jobe Sapio, m'pa di se naïveté non, yo te comprenne que yo pa en affaire avec la police, en quelque sorte. Au contraire, yo la pour la sécurité, yo la pour yo accompagner. Même j'ai fait le boy ici là. Yo la pour la cause nationale, yo la pour la population haïtienne pour yo aider la population haïtienne pour yo bay sécurité. Qui donc les rivé nèg yo ouvri zam sou yo. Et les ouvri zam yo tué 4 sur le champ. Gen 2 ladan yo. M'a parlé de Sensia avec yon lot camarade qui yon lot agent qui assassiné. C'est les rivé nan commissariat nèg yo achevé avec coup de couteau. Parce que monsieur pas de prendre balle. Ou konn ça veut dire en Haïti. Donc nous connaissons bagay yo nèg ki vraiment petit de saline nous connaissons ça les ou di nèg yo tire sur les nèg yo pa prend balle donc les rivé nèg yo achevé monsieur les monsieur pa prend balle yo achevé avec coup de couteau le même cas pour Sensia qui lui même puisque il pa prend balle il prend 14 il prend 17 cartouches OK balle donc yo frappé sous colli donc il pa percé donc nan 3 moun ou tande ki nan et ki nan DCPJ yo gen 2 ladan yo même. Yo sorti Port-au-Prince, y a monté 15 coffres pour y aller nan poste pour y aller travail. Donc yo arrêté, yo te gen 2 lots que yo arrêté, c'est 2 moun, alors pas agent Bissap. C'est 2 moun qui pralé nan commissariat de Pétionville pour yo al renseigner parce que yo tande y assassiné papa yo, yo te al besoin konnen comment ça passé, ça qui passé, quand est-ce que yo ka jwenn corps. Donc yo te arrêté. Donc gen des démarches qui déjà fait nous libérer des moun sa yo. Qui donc c'est pas seulement assurance. Écoutez, pour vous qui êtes journaliste, vous avez aussi une responsabilité au même titre que moi-même. Parce que je dis, la cause que je défends pour Ajabi Sapio, c'est une cause qui est juste. C'est une cause qui est morale. L'aller au-delà même de la reconnaissance. Nous ne pouvons pas aller à Ajabi Sapio. Et moi, je te dis avant, dans une conférence de presse que nous avons là-bas. Si nous avons fait ça, nous avons indigné pour nous petit Jean-Jacques Dessalines. Nous avons indigné pour nous petit Capral Amor. Si nous avons abandonné Ajabi Sapio. Et ça fait, je dis, je ne pas seulement la game non question, aller au tribunal, aller dans le parquet pour une justice. Nous avons fait tout ça qui n'a possibilité nous. Donc je dis, nous saisis OPC et nous avons un travail qui est déjà fait. Donc déjà, OPC lui-même, il saisit le haut commissaire des droits de l'homme et il saisit l'expert indépendant. Et femme du grand pile qui commence à gagner Tchouloulou, tu connais ça, il est Tchouloulou là? On connaît? Bon. Ok, Tchouloulou, grand pile qui commence à gagner Tchouloulou, parce que yo te pensé à Jean-Bé Sapio, c'était un paquet de cabrit, yo pren yo et assassiné yo, et ça finit là. Et bien, pendant ma parole avec vous là, nous avons l'expert indépendant des Nations Unies qui saisit de la question, et y a organisé là pour que gagne une délégation qui vienne là pour yo faire une enquête pour yo comprendre très bien ce qui passe là. Et pour moun qui participe de bagage à payer. Et nous avons Amnesty International qui saisit. Donc nous-mêmes, dans le niveau pas, nous avons fait tout ce qu'on est capable. Nous sommes prêts pour nous aller, non seulement par devant les instances d'enquête pour nous mener enquête, mais nous prêts pour nous aller. Pendant ma parole avec vous là, nous gagnons la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui déjà saisi de la question. Et déjà même, il y a un numéro que la Cour interaméricaine des droits de l'homme déjà saisi de ce dossier. Donc nous ne pouvons pas jouer. Et qu'on a envisagé la possibilité pour aller par devant la Cour pénale internationale.